sous-préfecture du Havre. L'Office de tourisme du Havre édite une série de brochures de promenades dans la ville. La passerelle Gilet permet de relier le centre-ville et le quartier Saint-François. Choisia, orangé du Mexique. Le départ du circuit se fait au niveau du casino du Havre. Il remplace celui qui a cessé ses activités en 1960. Céanote. Ce circuit s'intitule « Au fil des quais ». Voici le bassin du commerce. Belle vue sur l'église Saint-Joseph et sa tour lanterne, ainsi que sur le volcan. Le casino est contigu au bassin du commerce. Les bâtiments du World Trade Center, à Havre. Les immeubles modernes du quartier Saint-François, quartier des Bretons, au Havre. Au cœur du quartier Perret, Auguste Perret, le magicien du béton armé. Les logements le long du bassin du commerce. Tour Perret et artère moderne du Havre. Nous voici sur la place Charles de Gaulle avec le monument aux morts. Représentation de l'Indochine française. Monument aux morts de la guerre d'Indochine, 1945-1954. Vietnam, Cambodge, Laos. Le monument des martyrs. Beaucoup de noms gravés sur la pierre, hélas. La place Charles de Gaulle jouxte le volcan d'Oscar Niemeyer, qui actuellement est en rénovation. Superbe monument de la victoire. De la place Charles de Gaulle part l'une des artères les plus importantes du Havre, la rue de Paris. Auguste Perret a imaginé un système d'arcade. Avant d'aller voir le quartier Saint-François, nous allons faire un petit tour vers le Muséum d'Histoire Naturelle. Rue Gustave Lénier. Dans son prolongement, nous apercevons le toit, enfin le clocher de la cathédrale Notre-Dame du Havre. Un curieux immeuble qui détonne dans ce quartier bétonné. Nul doute que ce curieux immeuble ne soit rescapé des intenses bombardements de septembre 1944. Nous nous approchons de la place du Vieux Marché et de ses arbres taillés en pointe. À l'extrémité de la place, les bâtiments du premier palais de justice du Havre abritent désormais le Muséum d'Histoire Naturelle, qui contient des salles d'ornithologie, de minéralogie et des collections de peintures de Charles-Alexandre Le Sueur. Les colonnes de l'architecture Perret.
un petit détour par la rue de Paris. Dans l'axe de la rue de Paris. Façade de la cathédrale Notre-Dame du Havre, que nous avons déjà vue, on peut l'appeler une miraculée. C'est vraiment là le cœur de l'architecture Perret, le flanc de la cathédrale. Les pilastres. Il est certain que cette architecture classée au patrimoine mondial de l'UNESCO peut déconcerter. Le quartier Saint-François se profile dans le lointain. Le chevet de la cathédrale. Le flanc nord de la cathédrale Notre-Dame. Nous retrouvons la place du Vieux Marché et le Muséum d'Histoire Naturelle. Avant de rejoindre Saint-François. Quartier breton, quartier de crêperie. Mais pas seulement. En même temps, il fallait y penser. Communication entre le bassin du commerce et le bassin du roi où nous sommes. Perdue dans les arbres, la statue du bon roi François Ier, fondateur du Havre, en 1517. Le pont pivotant nous permet d'accéder à Saint-François. Rue fait d'herbe. Les restaurants à spécialité se succèdent ici. Un petit écart à droite permet d'aller voir le marché aux poissons et de revoir la maison de l'armateur. On rejoint le quai de Lille. Vue sur l'Anse Notre-Dame, qui est directement raccordée au bassin du roi. Nous sommes à l'angle de la maison de l'armateur, une des grandes rescapées du Havre. Colonne à chapiteau ionique. Juste à proximité de la maison de l'armateur se trouve le marché aux poissons. Typique du quartier Saint-François. Le bistrot du Petit Port a bonne réputation auprès des amateurs de poissons. Le terre-plein de la Barre. L'ambiance portuaire au Havre. Une violente odeur de mazout saisit le promeneur aux narines. La silhouette du sémaphore contre les immeubles Perret.
le port autonome du Havre. Comme on voit, la ville est intimement liée à ce port. Bateau pour l'Angleterre. Mais on n'est plus en France ici. Le terminal de Grande-Bretagne permet d'accéder aux ferries à destination de Portsmouth. Petite cale sèche. Cimetière d'oiseaux à ciel ouvert. Le bassin de la citadelle. Quai de Cadix. Il se prolonge par le quai d'Anvers. Bâtiment du World Trade Center. Quai de Cadix et quai d'Anvers. Poursuivons. Un véritable temps d'impressionniste. Quai d'Anvers. Nous nous dirigeons vers les docks. Au bout du quai d'Anvers. Forêt de mâts dans le bassin Vauban. Nous passons à proximité du petit jardin japonais du Havre. Il nous faudra bien visiter un jour. Mais les horaires d'ouverture sont confidentiels. Vue d'ensemble des docks et du bassin Vauban. Petit aperçu du jardin japonais à travers le grillage. Ce jardin ne se visite qu'après réservation à l'office de tourisme et paraît-il pour un prix exorbitant. C'est la ville d'Osaka, jumelée avec le Havre, qui a offert ce jardin. Camélia au jardin japonais. Reprenons le fil de notre promenade. Perspective sur le cours de la République et le tunnel Jenner. Construction de la nouvelle école supérieure nationale maritime. Derrière nous, on aperçoit le clocher de Saint-François. La centrale électrique d'EDF. Péniche de luxe, 4 000 euros pour aller jusqu'à Paris.
les silos inesthétiques du Havre. Quai de Marseille. Bateau de luxe. À proximité du jardin fluvial. Allons-nous y accéder avant la pause. Les docks café. Ces docks du 19e siècle ont été réhabilités. De ce côté, les docks Vauban, qui abritent un centre commercial et des cinémas. Face à nous, le bassin Paul Vatine. Au sud du bassin, les bains des docks. Réalisation du célèbre architecte Jean Nouvel. Clocher de l'église Saint-Nicolas. Ce quartier a été restauré. Les docks café. Schéma général des docks. Les docks café. Les docks Vauban et les deux bassins Vatine et Vauban de part et d'autre. Allons jeter un petit coup d'œil aux docks Vauban. Le problème des docks Vauban est qu'ils sont mal isolés thermiquement et l'hiver, ça se sent tout de suite. Temple de la consommation. La structure réhabilitée. Toutes les marques, toutes les enseignes du monde moderne. Je ne suis pas un grand fan des docks Vauban. La proximité du quartier de l'Eure. Retour au bassin Vauban. Les docks Océane prolongent les docks Vauban. Cette salle de spectacle et de sport ne semble pas très chaleureuse. La chambre de commerce et d'industrie du Havre a des petits airs de musée Guggenheim à Bilbao. Le long du bassin Vauban. Nous allons emprunter la passerelle pour franchir le bassin Vauban. Parvenons quai Colbert. Le long du quai Colbert, bien évidemment, l'immeuble Le Colbert. La masse sombre du petit jardin japonais. Le cours de la République. Dans l'avenue Vauban, pour longer ensuite le quai japonais.
lié au bassin Vauban, le bassin de la Barre. Et face à nous, le quartier Saint-François. Nous revoici à un point où nous étions tout à l'heure. Le printemps amène le fleurissement des magnolias et des camélias du jardin japonais. L'approche du quartier Saint-François. Retour au terre-plein de la Barre. Présence de coquilles de moules, ce sont les oiseaux qui les prennent pour les faire éclater sur la pierre. Retour dans le quartier Saint-François. Perspective de la rue Dauphine. Nous tournons dans la rue de Bretagne qui longe l'église Saint-François et l'hôtel du Bocage de Bléville. L'hôtel du Bocage de Bléville, que nous avons déjà visité, abrite le musée de l'ancien Havre. Cet hôtel est vraiment un des derniers rescapés du vieux Havre. Immeuble à 5 étages. Chevet de l'église Saint-François. Le quartier Saint-François sent l'animation infernale du soir. L'église Saint-François, du moins son flanc sud, vient d'être restaurée. Les gargouilles sont superbes. À côté de l'église Saint-François, le salon-musée de la coiffure. Ce salon-musée présente toute une série d'articles en rapport avec la coiffure au fil des âges. Le coiffeur qui tient cette boutique, qui est non seulement un musée, mais aussi un authentique salon de coiffure, est un monsieur qui doit bien avoir dans les 80 ans. Et qui coiffe toujours. On ignore à quoi pouvaient servir ces étranges appareillages, pour faire des frisettes sûrement. Avec un usé jusqu'à la une brosse un peu usée, on va dire. Oh le truc, regarde. Ah oui. Il y a même des mannequins dans le petit musée. Il fallait vraiment avoir envie de friser. Faites-vous faire une indéfrisable. Donc ça prend feu. Et voici le coiffeur. Il y a aussi un salon sur les marins. Tout cela tient un peu du bric-à-brac. Dans l'axe de la statue du roi François Ier. Nous retrouvons le bassin du commerce. Nous retrouvons la passerelle Gilet.
Prix d'architecture moderne 1972. Pour finir ce circuit, une vue archi-classique du Havre.